Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes vraiment toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite donc, de ce mode Pro Team. Alors comme vous voyez, il y a eu des modifications. Alors déjà on est avec la Moupaille Chaos et pas avec la DUG. Alors tout d'abord, ce matin, pour ceux qui ont regardé la vidéo renommée tous les coureurs, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié totalement la Total Direct Energy et que j'avais fait quelques fautes au niveau de la Ineos. Donc bah du coup j'ai tout remodifié quand même. J'avais déjà oublié Steven Dash ce matin, donc ça faisait beaucoup de fautes. Donc je me suis dit, en plus que j'ai pris le même maillot que Styros, j'ai pris le même maillot que Styros en plus. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tout changer. J'ai repris exactement la même équipe, j'ai mis exactement les mêmes pics de forme. Franchement, vous allez voir, j'ai mis la même chose. Sauf que bah, la première étape, j'ai fait deuxième au lieu de faire neuvième. Bon, ça n'a pas changé grand-chose. Ça nous a juste donné quelques points en plus, puisqu'au final, j'ai même pas réussi à accrocher le maillot jaune qui aurait tout changé. Donc voilà, j'ai fait deuxième. Et en plus, j'étais à ça vraiment de remporter l'étape, mais voilà. J'ai fait deuxième, et je préfère faire deuxième que avoir gagné. Si j'avais gagné, j'aurais recommencé, hein, parce que quand même, à la base, on est deuxième. Là, on est neuvième, là, j'arrive deuxième. Ouais, c'est pas très équitable. Bon, bah voilà, du coup, c'était pour vous dire ça. En plus, on a un changement de maillot, donc c'est plus le même que chez Syros. C'est le Moupaï Chaos, donc avec les petites boîtes, là, les petits bonbons, j'ai l'impression. Et là, c'est sympathique de dos, hein. Assez bleu, sympathique. Bleu, ce bleu, un mélange de bleu foncé et de bleu ciel. Vous allez voir en course de toute façon. Donc, on est parti, du coup. Aujourd'hui, un beau petit programme, donc, pour la Moupaï Chaos avec. Et c'est pareil, j'ai gardé les Pays-Bas. J'ai gardé les Pays-Bas. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas le championnat du monde vallonné, on a le championnat du monde plaine. Vous allez bien voir, hein, championnat du monde plaine. Si on est sélectionné, on sera pas sélectionné la première saison de toute façon, hein. Il y a très peu de chance franchement. Donc on verra bien, de toute façon. Bah voilà, de toute façon on l'aura même pas, ça se trouve. On verra bien. Donc allez. Du coup, Bastia-Ajaccio, aujourd'hui au programme. Cette étape qui est classée plaine, mais qui est quand même vachement vallonnée au niveau du milieu d'étape, où on va évidemment envoyer quelqu'un dans l'échappée parce que là, il y a du point à prendre et l'étape entre Porto Vecchio et Levi qui va être une totale découverte. Totale découverte pour cette étape. Entre Porto Vecchio et Lévis, qui reprend les tracés un petit peu de l'année dernière. Hein. Je reconnais la côte d'Arbellara, si je dis pas de bêtises, et la côte de Sartène, ou de Quintaine, je ne me souviens plus trop, qui sont toutes les deux en deuxième catégorie. Puis au début, il y a trois côtes, je me souviens plus trop non plus. Et puis on a le col de Bacino, donc, qui était là l'an dernier aussi, et la côte de Lévis. Qui n'est pas une côte très pentue, mais voilà, une étape sympa, ça change, hein. Ça change, hein. C'est pas une vraie étape de montagne non plus, et moi je trouve ça vachement cool, comme ça on a une variante où c'est l'hospédale, là c'est vraiment de la montagne, tu peux y aller, et t'as une variante où c'est le vallon, et donc c'est un peu plus faible, et donc c'est un peu moins dur. Bah, moi je suis tout oui, moi je suis tout oui, même s'il y avait une variante tout plaine et une autre variante tout montagne, je serais tout oui, parce que l'important c'est pas que ce soit la même chose. Par exemple l'an dernier, t'avais chrono montagne, ça restait tout le temps la même chose. T'avais juste la première étape de plaine qui changeait. On s'en fiche que l'étape de plaine elle change. C'est toujours. Ça change rien de toute façon au final. Là, ça va être un peu plus cool. Il y a plus de variantes. En plus, là, l'étape de plaine peut devenir une étape de chrono. Donc attention. En plus, le chrono est 7 km quand même. J'ai vu qu'il y avait une petite bosse. Et là, cette étape peut devenir une étape de montagne à la place de ce vallon. Donc voilà. Enfin, on va découvrir ça. Et puis, on va commencer aussi ce sprint challenge avec le petit prologue à Leeds. Voilà. Donc, on commencera ça. Et puis, on le finira le sprint challenge la semaine prochaine. Donc, bah voilà. J'ai fait juste Marseille, du coup, de mon côté. Et là, on va commencer avec Bastia-Ajaccio. C'est parti pour cette étape qui s'annonce sympathique. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué celle-ci. Bah depuis le 2015, hein. Depuis le 2015, elle fait sa réapparition sur le 2019. Et ça fait plaisir parce que c'est vraiment une étape qui a du potentiel. Avec ces gros cols au milieu, en fait, t'as des gros cols au milieu. T'as l'impression que tu vas descendre, c'est l'arrivée. Et non, t'as la petite côte, la toute petite côte là, qui est vraiment. Qui fait la différence. Donc, allez, on se retrouve direct au niveau des formes. Et allez, avec Dion Spice, je pense qu'il y a moyen de jouer la victoire d'étape aujourd'hui. 74. Donc, on est en bonne forme. Donc, on va considérer la bonne forme. 75 de sprint, 74 d'accélération, 73 de vallon. 69 de montagne en plus. Par contre, du coup, vu qu'il est deuxième, on pourra pas l'envoyer dans l'échappée. Donc, on va envoyer un autre coureur dans l'échappée. On va jouer le général avec Zoidel, donc on va le garder. Et puis de toute façon, je suis pas sûr que ça laisse partir un mec avec 74 de montagne. Est-ce que ça laisse partir Madoua? Parce que si on envoie Madoua, on se fait les points faciles. Et puis on peut peut-être même aller au bout. On va bien voir si ça laisse partir Madoua. Sinon, en fait, pourquoi pas tenter avec Zoidel? J'ai l'impression que l'étape finale, au final, c'est peut-être mieux de tenter avec Madoua. Puisqu'il a juste un point montagne de moins, donc c'est pas énorme. Il a quand même 76. On verra bien. Allez, on va tenter Madoua. Si ça laisse pas partir Madoua. Madouas. Donc voilà, pas de commentateur encore sur cette étape. Et vous allez voir le maillot, ce que ça rend. Allez, ça m'étonnerait que ça laisse partir Valentin Madouas. Hein. Voilà. Ça rend sympathique, voilà, c'est bleu. Peut-être un peu similaire au maillot de la Total Direct Energy. Bon, c'est pas non plus un copier-coller.
Allez, on tente de sortir. Non, ça va pas laisser partir Valentin Amado. Au final, je pensais qu'on jouerait le maillot avec Zoidal, le maillot jaune avec Zoidal, mais au final, je me rends compte que bah, c'est pas forcément la meilleure des idées. C'est pas forcément la meilleure des idées. Donc, bah, écoutez, on y go avec Madoua et ça ne roule pas derrière. Bah, finalement, bah, écoutez, si on part avec Madoua, après, si on prend du temps et qu'on va au bout avec Madoua, possibilité de jouer le général avec Madoua après. Après, c'est possible aussi qu'on ait perdu beaucoup d'énergie. Donc allez, Devolder qui prend l'échappée, qui est le maillot à poids. Ça par contre, ça n'a pas changé du coup. C'est quand même Devolder maillot à poids vu que ça a été la même échappée quasiment. Et Devolder, il y avait Goujard, il me semble aussi. Mais bon, l'échappée s'est faite rattraper. Donc il n'y a pas eu de problème au niveau de ça. Ouais, il prend la tête du classement général virtuel. Nous, on est aussi là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Allez, on Le se retrouve break n'est pas directement au encore fait, sprint ça intermédiaire. relance Ah, en il y tête a des du contres. Il y peloton. a des contres avec Romardi, Asbjørn, Krag-Andersen, à pas confondre. Hein. Non, c'est Soren ça. Le 32e, parce qu'il y a un A au début. Non, c'est Søren Kierkegaard-Andersen. Et on va découvrir ses notes, écoutez. Il aurait pu mériter mieux quand même. Hein. Je pense surtout niveau pavé. Accélération, vallon. Ouais. Il le catalogue comme un rouleur, je sais pas trop pourquoi. Alors que c'est pas un pur rouleur pourtant. Bon allez, en tout cas, Ça a l'air Devolder qui bien prend la parti. tête. Vous avez passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Allez, on est bien parti. On a pris la barre de... On a pris une minute d'avance. Au niveau des points maillot à poids, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec Madoua, on est quand même un gros concurrent. Krag Andersen, Vichot. Ah ouais, non, il y a du lourd. Il y a du lourd. Et à mon avis, les comptes sont pas finis. Donc on se retrouve directement au sprint intermédiaire avec Dion Smith. Puis on se retrouvera à la première montée de la journée. On arrive au sprint intermédiaire et j'ai l'impression de m'être fait piéger avec Dion Smith. Si regardez, il y a eu un petit contre avec des coureurs qui jouent le maillot vert, notamment Giacomo Nizzolo qui est donc le maillot jaune hein, sur cette roue de Corse après le changement. Sonny Colbrelli et Marechko et Sacha Modolo. Et ils sont partis, et du coup, nous on va avoir que 3 points à se disputer là. Ah, c'est pas le bon plan, c'est pas le bon plan, surtout qu'il y a des points à prendre aujourd'hui quand même à l'arrivée. Je suis sûr que Dion Smith passe. Hein. Dion Smith passe tranquille les boss du milieu, je pense. Donc, alors on se met Voilà à le rouler vainqueur du sprint 1 km intermédiaire. 6. On va pas tarder à lancer le sprint derrière. Madoua qui a pas joué le sprint. Bien joué, mon petit pote. C'était la meilleure chose à faire. Alors, pas tarder à y aller. Allez, c'est parti. Oula. Le sprint qui est lancé par Danny Van Poppel sur la droite. On est les seuls deux à faire le sprint dans ce peloton. Est-ce qu'on peut le distancer sur ce sprint? Et oui, Attention, on est on va meilleur. pas On est pouvoir meilleur. On est attaquer encore très meilleur. longtemps. À Ponte Novo. Sur ce léger faux plat. Qui nous a avantagé évidemment. Il y a du monde en Allez, on va se difficulté à laisser reprendre par l'arrière. le peloton. Il devrait Bah comme rentrer le si le font hein, les rythme coureurs s'accale. devant. Ouais. Au final c'est bon. Au final c'est bon. On va reprendre ses échappées donc et du coup. Le peloton va reprendre. C'est Le quoi? Voilà, peloton. c'est parfait, tout se calme. On peut donc aller rechercher Valentin Madoua qui par contre est bien diminué. Hein. Et la zone de ravitaillement. Ah non, ça va, la zone de ravitaillement est bien placée. Est bien placée. Vous vous souvenez que je rageais un petit peu parce que. Non, finalement, elle est pas si bien placée que ça. Je me souviens que je rageais un petit peu en 2015. Puisque ça aurait été mieux de la mettre après le dernier deuxième catégorie. Parce que là. Ouais. Parce qu'elle nous sert pas trop à grand chose. Bon, écoutez, on va voir comment ça se gère avec Madoua. Normalement, ça devrait passer. On va voir comment on va gérer cette première côte surtout. Qui va craquer, qui va distancer les autres. On est dans le col de Belgranaggio, donc 7 km 400 à 4,8%. Oh, ça aurait pu mériter un deuxième catégorie. Bon, après troisième catégorie, voilà, ça va, c'est pas non plus un col extraordinaire. Il y a quand même des beaux pourcentages sur le milieu. Mais le final est assez plat, donc allez, avec Valentin Madouès, est-ce qu'on peut passer en tête et aller chercher ces deux premiers points de la journée, qui nous donneraient déjà le maillot à poids. En tout cas, dans l'échappée, on voit il y a Robert Rezinck, Romain Hardy, Krag Andersen quand même. Arthur Vichot, Devolder et Stallard. Devolder, Stallard qui sont certainement les plus inférieurs. Par contre, Vichot, la pointe de vitesse. Et oui. Ouh, on passe deuxième. On passe deuxième. C'est pas mal, c'est pas mal. Il Derrière devient le Romardi, leader du classement de la qui prend montagne. du coup le leadership de ce classement. Et donc, voilà, on passe deuxième. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est pas le plus important. C'est pas le col le plus important. Donc, ça va à la rigueur. Elle a déjà délâché. Hein. Regardez, regardez. Cavendish, Thomas Bouda, Filippo Fortin. David Etchimola, ici Brian Cogard, et voilà déjà des sprinteurs lâchés. Déjà des sprinteurs lâchés si l'échappée s'est reprendre. Et qu'avec Dion Smith, pardon. On arrive à aller chercher la victoire. On arrive à aller chercher les échappées et potentiellement la victoire. Et bon, on gagne facile du coup. Ouais, ça a pas trop de sens ce que je viens de dire là, j'avoue. Allez, on est dans ce col donc de la Serra. 6 km 800 à 6,3%. Donc très compliqué, notamment les pourcentages rouges que vous voyez là. Qui viennent juste d'être passés, qui ont fait mal. Et on a déjà d'ailleurs les hein. Christopher Hamilton qui va passer une journée très très compliquée. Et les sprinters qui se font distancer, ça c'est très très bon. C'est très très bon pour Dion Smith. Regardez sa barre bleue qui est quasi parfaite. Et ça c'est très très bon. C'est une très bonne nouvelle pour Dion Smith. Allez, on met un petit tempo avec Madoua pour faire mal.
Mais là, on est vraiment avec que des coureurs bons. Au niveau du sprint, franchement, je pense qu'on est peut-être les meilleurs. Hein. Si ça arrive sur du plat comme à l'arrivée, je pense qu'on est peut-être, on fait peut-être partie des meilleurs. Vichot et Hardy me font peur quand même. Allez, est-ce qu'on peut passer en tête? Remonter. Ah, on passe deuxième encore une fois. Encore une fois, on passe deuxième juste derrière Arthur Tu deviens Vichot. le leader du classement de la Voilà, qui prend montagne. 5 points. Qui prend 5 points Arthur Vichot et qui donc prend le leadership du maillot point. J'ai pas trop fait attention à ses notes, Arthur Vichot. Écoutez, on va aller voir ça directement. Par contre, s'il y a des hors délais comme ça, au niveau du maillot vert et peut-être du maillot jaune aussi avec Smith, regarde, on est deuxième. Ça pourrait bien nous arranger. Alors du coup, Vichot qui est juste ici 31e. 72 de sprint. Oh, et il a des très très bonnes notes, hein. Peut-être un peu trop bonne. J'aurais mis quand même un 75 wallon, 75 accélération. Ça aurait été clairement suffisant. Baisser en montagne aussi. Et franchement, des très bonnes notes pour Arthur Richaud. Très très bonnes notes pour Arthur Richaud. Allez. La montée. La troisième montée de la journée, donc répertoriée. Qui se profile. Et on se retrouve directement au sommet pour aller chercher les derniers points donc de la journée. Puisque, à mon avis, jouer les points dans la côte de troisième catégorie, là, à 10 km de l'arrivée, ça va être compliqué. Ah, c'est vachement cool au final cette nouveauté. Hein, du profil de la montée qui s'affiche. Puisque là, le col de Le Vidzavona. peloton a une trente de Et retard ben on sur voit vous. qu'on est quand même sur des gros pourcentages. 95 coureurs encore dans le peloton. Je vais donner les gels parce que là, Agra est dans le dur. Smith, ça passe. Smith, ça passe, on n'a pas besoin. Et regardez, que des sprinteurs. Que des sprinteurs. Selig, Consoni, Jacobsen, Hofstetter, Moschetti. Ah, Moschetti, bah écoutez, on va regarder aussi le sprinter. Quelle note il a? 126e. 75-75. Ouais, ça peut mieux faire. Peut mieux faire. Et là, on a plein de coureurs. Blight. Van Kersbult, non, mais Modolo, Marechko aussi, Boigny aussi, j'ai vu. Et on a plein, plein d'autres coureurs, Filippo Fortin. Si les hors délais se confirment à ce niveau-là, il va y avoir du hors délai. Au moins 20, c'est 20 maximum, hein, je sais. Je me souviens. Mais là, du coup, peut y avoir du hors délai, surtout au niveau des sprinters. On va y voir comment ça se passe. Allez, le col de Vidzavona, donc. On vient de passer vraiment au sommet, là. Hein. Des gros pourcentages, là, ça va être ce sprint, donc sur un peu plus de plat. Sur des pourcentages un peu plus plats, on prend la tête avec Mado. Après, il y a une grosse descente, donc on peut tout donner maintenant. Au moins, on n'aura pas utilisé notre gel bleu, et ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on garde les roues, on garde les roues, on garde les roues de Vichot et Hardy. On donne tout, on donne tout pour tenter de passer devant. Surtout Vichot, ah, on passe troisième, on passe deuxième, pardon, et on prend que 3 points. Voilà Et le voilà, du classement du coup, dernier grimpeur. Hardy qui prend le maillot à poids, normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Hardy qui a pris 5 plus 2 tout à l'heure, plus 2, donc ça fait 9 points. On a pris 3 plus 3. Ah ouais, on a 7 points. L'équipier est en train de On perdre a le 7 contact. points avec Madouas. Allez, Avila qui perd le contact, c'est normal. Il peut pas réussir à garder le contact partout. En tout cas, pour Smith, ça se passe très bien. Et pour Madouas aussi, ça se passe très bien. Ça marche. On est 5 toujours Bon dans l'échappée, ravitaillement. donc. Et ça se profile vachement bien pour aller au bout. On va voir comment ça se déroule. Écoutez, les amis, on se retrouve directement à l'entrée de Bastia, juste avant l'ultime côte. L'entrée d'Ajaccio. L'entrée d'Ajaccio. Autant pour moi, ce sera l'entrée d'Ajaccio. Bastia, c'est la ville départ. 13 km de l'arrivée avec Valentin Madon, on a 37 secondes d'avance par rapport au peloton. La victoire est envisageable pour les coureurs échappés. Et le virage, on va attarder là, on va attaquer la côte dans 2 km. Une côte très courte, hein, 800 mètres à peine, il me semble. Elle on est déjà dans Ajaccio. La dernière difficulté de la journée, maintenant toute proche. Ceux qui ont encore des ambitions de victoire devront passer cette côte avec les meilleurs pour espérer s'imposer. Bah là, ouais, effectivement, on est avec les meilleurs. 51 secondes, ça va aller au bout. Je vois mal comment on pourrait se faire attraper par le peloton. Allez, c'est parti pour cette petite côte. 1 500 km. Ouais, là, on est sur du faux plat. Là, on est sur du faux plat. Et là, ça va Vous êtes commencer. à Allez, 2 km du côte grimpeur. du salario. Ça commence vraiment maintenant. Tu sembles être le Et allez, meilleur puncher du groupe. on peut Tu es dire arrivé à 1 km à passer en tête. 9%, je pense même 10%. Et alors, on tente l'attaque. On tente l'attaque avec Madoua. On avait aux différents grimpeurs qu'on n'était pas forcément meilleur au sprint. On tente de distancer nos adversaires. Faut que Zoidel y reste. Hein. Faut absolument que Zoidel suive les attaques parce que j'ai pas envie qu'il se fasse distancer. Parce qu'avec Madoua, avec D'accord, l'échappée qu'on je vient de prendre suis les aujourd'hui là, attaques. épuisante. Je vois mal comment on pourra jouer le général demain, même si on accroche le maillot jaune. Donc allez, Robert Rezing. Robert Rezing, distancer le coureur néerlandais. Craig Andersen, qui Pour a pas l'air l'instant, dans son c'est lui le assiette non maillot jaune plus. virtuel. Est-ce qu'on peut prendre des points? Non, ouais. Non, non. Vichot qui va. Il Ah non, sera c'est le Hardy. nouveau C'est maillot Hardy du point. coup le maillot à poids. Il ne peut plus être Bah écoutez, rattrapé GG aujourd'hui. à Romain Hardy. Allez, il reste 9 km avant l'arrivée. On est 3. Les 3 Français. Les 3 Français de l'échappée. Hein. Ce matin, on était les 3 seuls Français de l'échappée. Il est en train de se faire On n'est plus que les décramponner. 3 seuls C'est une Français de bonne nouvelle pour le l'échappée. général. Et on va donc se disputer cette victoire d'étape. Entre Français, Valentin Madouas, Arthur Vichot, Romain Hardy. On a à peu près une pointe de vitesse similaire.
Donc bah ça va se jouer vraiment à celui qui aura le mieux récupéré, hein. Le mieux récupéré parce que le peloton là, une 44, ça ne reviendra pas. On va donner les gels bleus donc au niveau de tous les coureurs qui ne l'ont pas pris. Et allez, 6 km 400. On peut pas zoomer sur le profil, mais j'arrive à distinguer quand même qu'il y aura plus rien, que ce sera tout plat jusqu'à l'arrivée. Et dans mes souvenirs aussi, il n'y avait plus rien, hein, donc voilà. D'ailleurs, cette étape classée en plaine, c'est un peu dommage qu'il l'ait pas mis en vallon, mais bon, on sait que c'est une vraie étape de vallon, quoi. Parce que là, tous les sprinteurs qui ont été distancés, Boigny à 8,40, ouais, bon. Allez, en tout cas, va y avoir du hors-délai. Va y avoir du hors-délai, ça c'est sûr et certain. Et on va pas finir cette route course à 150. Allez. Ça veut pas trop rouler, hein. Romardi qui roule que à 90. Racing et Craig Anderson, ils ne rentreront pas, ça c'est sûr. Le peloton qui a une 30. De toute façon, personne ici peut jouer le général réellement. Madouas, il a que 73. Et je pense que face au Marc Soler, si Marc Soler fait la course, je sais pas. J'ai pas encore trop fait attention aux principaux leaders, hein. L'année dernière, je savais qu'il y avait Marc Soler. Là, il a été un peu amélioré par rapport à l'année dernière. Donc, à mon avis, il le fait plus. Mais à mon avis, 73, c'est quand même un peu limite pour jouer la victoire face au leader. Après, c'est une étape de vallon. C'est vrai, faut pas oublier. Allez, 2 km 6. On va se caler dans la roue d'Hardy. On va se caler dans la roue d'Hardy. C'est fini les efforts pour Valentin Madouas. 1 km, 2 km à peine. 1 km avant la flamme rouge. On la voit, on la voit. Allez, on prend la roue de Romardi. Qui roule pour nous. Bah non mec, tu crois quoi? Même Vichot il a compris. Même Vichot il a compris. Ah Vichot il passe devant. Il essaye d'anticiper peut-être. On va donner le rouge en tout cas derrière. Et on va demander d'attaquer. Allez hop, ça va être parti pour le sprint du côté de notre équipe. Et du côté de l'échappée, ça va être lancé. Avec Valentin Madouas, on va lancer sur la gauche. Allez, à 800 mètres, c'est le moment. Arthur Vichot très fort sur la droite. Arthur Vichot très fort sur la droite. Romardi, oh, Romardi qui a l'air très fort. Ah, ça se joue à pas grand chose. La première victoire, oh non. Deuxième place. Deuxième place. Oh là 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 là, j'ai tenté de vous faire vibrer. J'ai tenté de vous faire vibrer. Ah, ça s'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose. Mon Smith qui est pas bien placé. Hop, sprinté. Smith qui est pas bien placé. Est-ce qu'il y a un mec qui est peut-être bien placé? Je sais pas. Zoidel, ouais. On va aller avec Smith de toute façon. Mais la victoire, elle se joue à l'avant. Nouvelle deuxième place. Nouvelle deuxième place. On commence ce pro team. Je trouve que c'est quand même pas mal, hein, de commencer avec deux deuxième places. Ça s'est pas joué à grand chose. On va pouvoir ça au replay. On va pouvoir voir ça au replay. Mais bon, on sait qu'on n'a pas eu besoin de la photo finish, hein. On le sait qu'on n'accroche pas la victoire. Voilà, 28ème place avec Dion Smith. Qui conservera pas son maillot vert, à mon avis. On va aller rechercher Avila. Et voilà, on se retrouve directement pour le replay, puisque ça m'intéresse quand même de voir. Et on voit qu'il va y avoir pas mal de coureurs en délai, hein. Intéressant ça aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais sur cette étape, j'ai pris un kiff, mais un kiff incroyable. Ça commence bien cette aventure sur Tour de France 2019. Allez, on va donc mettre le sprint au ralenti pour ici avec Valentin Madouas. On voit qu'on n'est pas si mal. On voit qu'on n'est pas si mal, hein. Pas si mal placé à cet endroit-là. Peut-être que j'aurais dû garder la roue de Romain Hardy un peu plus longtemps. Parce que là, j'essaye déjà de le déborder. Mais bon, l'arrivée était juste devant. Ce sprint entre Français. Là, on voit qu'on est en tête à ce moment-là. On est quasiment en tête. Et c'est Arthur Vichot. C'est Arthur Vichot qui aura été le plus puissant. Ah, ça se joue vraiment pas grand-chose. Hein. Voilà, on lance le vélo. Arthur Vichot qui s'impose très clairement devant Romain Hardy. Devant Valentin Madouas, pardon, et Romardi. En tout cas, ce mode replay qui fait plaisir, hein. Pour ce genre d'action, il fait vachement plaisir. Donc voilà, quitter le replay et aller au résultat. On découvre donc les podiums. Et il me semble qu'on porte. Et on porte le maillot blanc du coup. Ah, on va porter le maillot blanc, intéressant ça. Pourquoi pas tenter de le garder? Et voilà, cette victoire d'Arthur Vichot. L'étape du jour. Ah, il y avait Arthur Vichot, j'ai coupé, désolé. Et donc bah voilà, du coup on portera le maillot blanc. Bah, au final tout le monde est content. Hein. Bon, j'aurais préféré quand même la victoire d'étape, mais bon. Arthur Vichot, du coup maillot jaune, victoire d'étape. Hardy le maillot à poids et nous on Super, porte le maillot blanc. Je n'attendais rien de cette étape et vous ramenez un podium. Bravo à vous. On prend le maillot blanc. C'est tout bon ça. C'est tout bon, effectivement, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Le peloton qui finit à 54 secondes avec Giacomo Nizzolo qui règle ce peloton donc. Et on a des hors délais. On a des hors délais. Roy Jans, le coureur de la Coke. Coronon Circus, Philippe Auvertine pour la Cofidis, Bram Velten pour la Arkea Samsic. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a écrit PCB. Hein. Il y a écrit PCB pour la Arkea Samsic, j'en ai aucune idée pourquoi. PCB, je vois même pas ce que ça peut signifier. Placement compte bancaire, vu que c'est Samsic, je sais pas. Romain Barbier, Minali, Hamilton, Roux, Boigny et Daniel. On finira donc cette route course à 141, à moins qu'il y ait encore des hors délais sur la prochaine étape. En tout cas, les amis, waouh, waouh, waouh.
Incroyable. En plus, là, il fait chaud, donc j'ai l'impression d'être en Corse. J'avais l'impression d'être en Corse vu qu'il fait chaud. Allez. Magnifique cette étape, je sais pas ce que vous en avez pensé, elle était incroyablement cool à jouer. C'est une étape qu'on connaît, c'est une étape qu'on connaît, et j'ai quand même pris un kiff de ouf. Un kiff de ouf, on va pas se mentir. Et donc bah voilà, Vichot qui prend l'œil jaune devant Madoué et Hardy, ça s'est pas joué à grand chose. Putain, ça commence bien, vraiment ça commence bien là. J'avais des petits doutes quand même concernant le 2019, quand j'ai commencé à jouer, il y a eu des crashs et tout. Mais là, rien que cette étape, allez, ça me met en confiance. Madoué, du coup, on est 3ème au maillot à poids, on pourra pas reprendre l'échappée, donc on peut abandonner ce maillot à poids. Ou peut-être avec Fonkini, mais on va en avoir besoin pour le final pour Zoidel. Le vert, c'est du coup pour Nizzolo. Le blanc, c'est pour Madoué. L'équipe, c'est la Arkea. La Moupaille, on est 2ème. Et la combativité, c'est pour deux Volder. On est 4ème avec Madoué. Et ben voilà, parfait. Le pro cycling individuel dominé par Nizzolo. Madoué est 4ème et Smith est 5ème. Et le maillot par équipe. Et le classement par équipe, c'est pour nous, la Moupaille. Bah écoutez, sympathique. Au moins, on aura été leader pendant une journée de ce classement par équipe. Voilà, nos barblocks sont plutôt corrects. Hein. Surtout pour Zoidol, ça fait plaisir. La dernière étape, les gars. Donc voilà, je vous laisse avec on va donner les casse-pattes aujourd'hui. Directeur sportif. Ça devrait convenir au puncher. C'est notre ultime chance pour renverser le classement général. Je crois que c'est possible. J'ai confiance en vous. Va falloir être offensif et tout donner. Les équipiers des favoris vont certainement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la côte finale. Faudra tout faire pour éviter les cassures et pas perdre de temps en vue du classement général. Bonne course à tous. Et allez, du coup, on va être parti Porto Vecchio Levi, une belle étape vallonnée, un peu montagneuse, voilà, entre moyenne montagne. On peut dire que c'est quand même de la moyenne montagne. J'espère qu'on va s'amuser aussi sur cette étape. J'espère que je vais m'amuser autant. Apprécier autant cette étape que j'ai apprécié l'étape entre Bastia et Ajaccio. Surtout que cette étape est nouvelle, donc on va découvrir. On connaît un petit peu le final, hein, qui est inspiré de l'étape du col de l'Ospedale, avec le Bacino puis Levi. Mais réellement, l'étape en elle-même, on l'a jamais joué, donc voilà. Les favoris, Colbrelli, ça va être un peu dur pour Colbrelli quand même, je pense. Alberto Bettiol et Tony Galoppa. Et allez, Valentin Madoué, qui au final n'est pas si fatigué que ça. Pas si fatigué que ça. Ricardo Zoidel, du coup, qui a pour objectif de finir dans les 20 premiers de l'étape. Kylian Franchini, qui a pas d'objectif. Est-ce qu'il peut encore jouer? Il peut jouer le maillot blanc. Il peut jouer le maillot blanc, je croyais qu'il avait dépassé la limite d'âge, mais non. Dion Smith, bon, ça va être un peu compliqué. J'ai envie d'envoyer quelqu'un pour le maillot à poids, parce que là, quand même, au début, ça fait 4, donc 2, plus 2, plus les deux deuxièmes catégories, ça fait 10. Donc ça fait 14 points à prendre. Ah ouais, ça, c'est compliqué. 14 points, je pense que ça peut être suffisant. Donc on va quand même envoyer quelqu'un. Ouais, non, je pense pas qu'on va envoyer, puisqu'on a besoin de Franchini en finale. Franchini, on en aura besoin dans le final. Donc bah écoutez, on va rester avec Zoidel. Est-ce qu'on joue le général avec... Ouais non, bon, allez, on va rester avec Zoidel. On va rester avec Zoidel. Bonjour et bienvenue à tous. Avec des difficultés répertoriées régulièrement tout au long du parcours, les routes empruntées aujourd'hui n'offriront que peu de répit aux coureurs. Analyse pointilleuse. Allez, c'est parti. Le dossard. D'ailleurs, c'est ça, il y a 25 équipes en fait. C'est pour ça qu'on est 150. Il y a 25 équipes. Ah d'accord, cool. Vachement cool. Je pensais qu'on était que 22. On a 6 coureurs par équipe, mais 25 équipes derrière. Ah ouais, non, c'est cool. Ça, c'est cool. D'ailleurs, pensez à ça, de pas toujours avoir 22 équipes aussi. Et bah, allez, du coup, avec Ricardo Zoidel, bah, écoutez. Non, j'ai envie de prendre l'échappée. Allez, c'est pas grave. Ouais, non. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que Chadaga est en totale méforme. Allez, Franchini, on prend l'échappée avec Franchini, c'est pas grave. On aura Madoué de toute façon comme appui dans le final. Donc allez, on tente de prendre l'échappée avec Franchini, on ira chercher les différents points montagne si on arrive à le faire. Nous sommes dans l'échappée avec Damien Gaudin et Daniel Martinez, donc avec Kylian Franchini. On est dans la première bosse. Et on a deux marquis, Tulok et Janssens qui ont contré derrière. Backlands, Calmejane et Morabito. Et voilà, c'est Galopin du coup. Galopin et Féliné, Galopin qui gêne un petit peu. Ah bah du coup, ah d'accord, c'est cool, on prend le maillot blanc. Allez, on est sur, on voit la côte de Sautin, hein. On voit les précisions. C'est pas une côte très très pentue. Pas forcément pour nous, justement avec Franchini. On va voir ce que ça peut donner. Ils ont fait beaucoup d'efforts derrière. Est-ce qu'on peut passer en tête? Est-ce qu'ils jouent les grimpeurs déjà? Est-ce qu'ils jouent les grimpeurs ou ils sont surtout concernés? Ah non, ça joue. Ça les joue. Avec Fabio Féliné qui attaque. Allez, on n'a pas de rouge et évidemment Féliné est plus fort. On va garder notre gel rouge, hein, parce que regardez le profil, la zone de ravitaillement est très très loin, donc on n'en prend pas direct, juste pour un 4ème catégorie. Par contre, les gars, avec Féliné, Calmejane et Galopin, comment vous voulez qu'on prenne des points maillot? On est parti pour ce col de Bachinou, donc.
11 900 à 5,8%. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de 1 minute course. 30 parce que tout simplement ça n'a pas roulé en fait dans l'échappée, vu qu'il y a, bah, y a des coureurs qui sont dans deux équipes, ça n'a pas roulé. Et d'autres coureurs, pour vu que les autres coureurs qui sont dans deux équipes ne roulent pas, et bah Moscone a décidé de ne pas rouler par exemple, ou Julien Simon. Donc, voilà, c'est un peu dommage, ça a cramé toutes les chances d'échapper. Et voilà, du coup, une attaque pour Morabito qui a l'air très très fort et qui tente de sortir le champion de Suisse. Et donc voilà, c'est un peu le bordel, comme vous voyez, Ricardo Zeudel s'est fait distancer tout simplement. Et bah du coup on se retrouve avec Valentin Madouas et Kylian Franchini au sommet de ce col de Bachinou. Voilà, l'ascension est enfin terminée. Putain, je dégoûte tellement il fait chaud, c'est insupportable. Pour savoir... Non, là ça va, ouais. Je tourne la veille et je tourne du coup pendant 3 jours, je vais tourner les vidéos jusqu'au 21 juin. Donc là, faut que je charbonne à fond. Allez, du coup là ça remonte un petit peu. Et du coup, bah si je fais des allusions par exemple... Si ça a été. Si par exemple une vidéo du 19 juin, vous voyez un truc qui normalement est dans le patch Day One, c'est normal, c'est normal. Bon voilà, vous le savez quand même, vous le savez du coup. Alors on est plus que 36, mais on a plus de gel avec Valentin Madouas, donc c'est un gros problème. Les Oidol qui se fait distancer du coup aussi, qui n'a pas été à la hauteur. Et on a encore des échappés du coup à l'avant. Franchini qui n'a pas résisté. J'en sais qu'il ferait partie des meilleurs, mais quand on voit au final. Corcaïs Aguirre, Backlands, Daniel Martinez, Galopin, bah c'est au-dessus de lui, évidemment. Donc allez, là c'est option récupération, lancer quelques kilomètres de descente juste avant d'affronter la Côte d'Olive, l'ultime ascension de la journée. On va bien voir comment ça va se passer. Désolé s'il y a un bruit de fond aussi, hein, ma PS4, elle souffre la pauvre. C'est parti pour la Côte d'Olive, ça affiche pas le profil aussi, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir le profil de la Côte d'Olive quand même. C'est un endroit tactique aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas le profit. Bon, bah écoutez, on va faire 100. On va monter avec Madouas. Du coup, je pense pas qu'on peut vraiment envisager un grand résultat, hein, avec Valentin Madouas aujourd'hui. D'ailleurs, on va monter au rythme. Je pense que là, c'est pas une bonne idée. D'habitude, franchement, c'est une bonne idée de suivre les différents coureurs. Mais je pense pas que là, c'est forcément une bonne idée. Quoique, je pense que non, justement, dans ce genre d'ascension, c'est peut-être une meilleure idée. Allez, Alessandro De Marchi, le dernier coureur. Qui va pas tarder à se faire attraper, le dernier coureur de l'échappée. Il y a un coureur de la rompote là qui fait des virages. Et franchement, la Côte de Lévis sous-côté, parce que là on est sur des pourcentages là. 7%, là 8% limite dans le virage. Allez, c'est bien, c'est bien. Finalement, j'ai bien fait. Je pense qu'il faut mieux suivre le rythme de l'échappée plutôt que de tenter de faire son propre rythme. Allez, 23 secondes par rapport à Alessandro De Marchi qui va se faire attraper. Hein. Il aura fait une très belle échappée aujourd'hui. En tout cas, ça aurait été une étape très compliquée. Et une route corse très compliquée. Très sympathique à jouer cette petite route corse. J'avais des appréhensions du fait bah, qu'il n'y ait pas d'étape de montagne au final. Hein. Mais au final, ça rajoute quelque chose. Cette étape vallonnée là, entre Porto Vecchio et Lévis, qui rajoute quelque chose. Qui voilà, est entre la montagne et le vallon. Donc ça, voilà, ça change un petit peu. Et sur la prochaine variante, on aura du coup le col de l'Hospédale. On va bien voir comment ça va donner. Allez, 3 700 km. On est encore là avec Madouas. On est encore là. Rui Costa distancé. Et Rui Costa distancé. Pas mal, pas mal. Arthur Vichot qui est encore là. Est-ce que Arthur Vichot peut résister 1 minute? Parce que 1 minute, est-ce qu'il lui suffit? Je pense qu'il y a moyen qu'il le fasse. Hein. Il a 70 de montagne quand même. Ils sont encore plusieurs à prétendre à la victoire des. Allez, on est encore là, Madouas. On est encore là avec Madouas. On va pas tarder à arriver au sommet de cette côte de Lévis donc. Qui nous aura piqué, qui nous aura piqué. Voilà, on a déjà un groupe qui commence à s'extraire des autres. Ah, elle est sympa cette montée, elle se fait au fur et à mesure. Non, franchement, niveau gameplay, on ressent le changement. Allez, on a une attaque du coup de Patrick Conrad. Et Vichot qui craque, on est meilleur qu'Arthur Vichot. On est meilleur qu'Arthur. Et il y a peut-être moyen de prendre le jaune là. Il y a peut-être moyen de prendre le jaune si on prend moins d'une minute sur Conrad et qu'on reste là avec Madouas. Et il y a moyen de prendre le jaune, imaginez le jaune dès notre première compétition. Dès la première compétition de la route corse, on prend le jaune. A mon avis, ça va être compliqué de résister encore une minute. C'est pas un énorme pourcentage. Hein. C'est pas un énorme pourcentage. Ouais, Conrad avec la... Non. Conrad, il va accélérer au fur et à mesure de plus en plus. Et en plus, avec la bonification, ouais, ça va être très compliqué. Il va falloir bien gérer dans ce final. 700 mètres. Avec Madouas, allez, c'est parti, c'est le final. Fraile qui donne tout ce qu'il a. Qui va aller chercher un bon résultat lui aussi. Et allez, on arrive au sommet de la côte de Lévis. Oula merde, j'ai merdé. Dans le régulateur. Et on va signer une belle place. On va signer une belle place. Bon super, là, le profil du dernier kilomètre qui m'aide pas trop. Et on signe une 9ème place avec Madouas. Peut-être qu'on a le maillot jaune. J'ai pas fait attention à l'écart.
On va voir ça de façon tout de suite au classement. Je vais reprendre The Gueule juste pour moi. Hein. Et puis on se retrouve direct au classement. Avec donc au replay d'abord. Au replay pour voir la belle victoire de Conrad. Puis au classement pour voir si on remporte cette route Corse. Et allez, ce petit donc. Voilà, c'est mieux comme ça. Ce petit ralenti donc. On va remonter les coureurs un à un. Hop, là c'est Madouar. Du coup, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et on voit juste ici la victoire de Patrick Conrad, donc, qui vient s'imposer au sommet de Lévy, à Lévy, devant les sièges vides. Il lève les bras. Et nous, avec Madouin, on voit qu'on vient faire une belle performance. Voilà, j'ai un peu merdé à ce moment-là. Voilà, les coureurs de la Direct Energy qui attaquent. Et nous, on double ce coureur de la Bahreïn. On vient signer une belle 9e place. Je vous passe les podiums pour pas vous spoiler, du coup. Et allez, du coup, Patrick Conrad qui vient s'imposer, qui prend 10 secondes de bonif, et nous on finit à 58 secondes avec Madoua. 58 secondes, ce qui veut donc dire que ça ne sera pas suffisant. Et qu'on va donc signer une deuxième place, hein, si je calcule bien. Du coup, Marc Soler, deuxième. Pello Bilbao, troisième. O'Connor qui fait une belle quatrième place. Fraile qui fait cinquième. Gorka Izaguirre, sixième. Powell, septième. Martinez, huitième. Madoua, du coup, on fait neuvième. Et Jonathan Hiver qui fait dixième. J'ai bien aimé cette étape, franchement. Je vais dire mon ressenti, de toute façon, sur toutes les nouvelles étapes, là. Franchement, cette étape, elle est vachement cool à jouer. Vachement cool à jouer. Ça change un petit peu des étapes de montagne classiques qu'on a. C'est une étape, en fait, c'est quasiment une étape de montagne, mais pas trop montagneuse. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Donc voilà, j'ai trouvé ça vachement cool. Et du coup, au général... Ah, c'est Vichot. Ah, carrément, Vichot. Vichot qui a dû réussir à avoir mon temps, du coup. Vichot qui a dû réussir à avoir mon temps. En tout cas, nous, on est troisième avec Madoua. On fait un excellent début de saison, les amis. Excellent début de saison, du coup, pour notre équipe. Donc voilà, Conrad qui remporte cette route Corse pour la Borance Gros. Il remportait déjà, hein, sur le 2018, toujours la route Corse. Et voilà, il vient aller chercher cette victoire, du coup. Les poids pour De Marquis, avec un point d'avance sur Hardy et Madoua, du coup, on est huitième à ce classement. Le vert, c'est pour Nizzolo. Madoua qui est même devant Smith. Le blanc, c'est pour Madoua, ça c'est cool. On remporte au moins un classement et ça c'est très important. L'équipe, c'est la Astana, on est 6ème avec la Mupai Chaos. Et donc, le combatif, c'est De Volder et on est 7ème avec Madoua. Franchement, on peut être très content. Et voilà, on est en tête, hein, du Pro Cycling individuel. Et au niveau du classement par équipe, c'est la Astana qui est en tête par contre, avec 56 points d'avance. Et nous, on a 56 points, pardon. Et ils ont 8 points d'avance sur nous. Donc, bah voilà, les amis, pour cette première compétition donc, de l'année qui a été vachement sympathique. Ah, faire, je vais vous passer, hein, le Paris-Nice, le Vendée Arène Classique et Paris-Roubaix, juste en vous montrant les vainqueurs, et puis on va commencer le Sprint Challenge avec juste le petit premier prologue. En fait, je viens de me rendre compte que la vidéo est très très longue. La vidéo est déjà très très longue, donc on va même pas simuler Paris-Nice, Vendée Arène Classique et Roubaix, et on va même pas faire le prologue. On va s'arrêter là, les amis, on va s'arrêter là, après ces deux étapes. J'espère vraiment que vous avez apprécié, en tout cas, parce que c'était vraiment deux étapes incroyables à jouer. La prochaine fois, je vous promets, on fait l'entièreté du Sprint Challenge. Les trois étapes, on simule ces deux courses-là, ces trois courses-là. Et on fait les trois étapes du Sprint de Challenge. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment, vraiment apprécié cette vidéo parce qu'elle était vachement cool. Les étapes, vachement cool aussi. Voilà, cette route Corse qui fente. Bien joué, Cyanide, pour ces étapes qui nous ont rajoutées là, que j'ai vraiment apprécié jouer. Il manque peut-être l'étape de Calvi, hein, Ajaccio Calvi, qui est quand même une étape sympathique aussi. Mais voilà, c'était bien, c'était très très bien. Allez, on se retrouve bientôt, du coup, les amis, dans une nouvelle vidéo. Demain, on a donc la première épisode du mode My Tour qui sort. J'espère que vous allez apprécier aussi. Et donc, Pro Leader, il me semble, pour demain. Allez, à plus.